Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo Call of Duty Mobile. Encore et toujours de la nouveauté dans la saison 3. Une nouvelle map zombie voit le jour dans le serveur test. La map de World at War, Nage der Untoten. Ouais, je sais, j'ai un petit accent allemand un peu. Nous voilà évidemment sur le serveur test. J'avais pas vu où il y avait le petit zombie qui nous reste 4 jours et 9 heures. Du coup, on va dessus. Et comme d'habitude, je vais vous faire découvrir ce qu'il y a avant la map. Déjà, pour ceux qui s'inquiétaient pour le skin de Dempsey, a priori, il a l'air d'y être. Mais le problème, c'est que les skins ne sont pas mis à jour avec le serveur. Test. Un conseil, dépêchez-vous de l'avoir, ça sera réglé. Mais là où on va voir un rajout dans le zombie, ça va être au niveau des armes. On a connu la HG40 en lave, mais il y aura également la KRM262 en lave, également l'ICR en lave. Mais surtout le Monkey Bomb, ah là là, ça déchire. C'est tout ce qu'il y a sur le serveur test en rajout pour le moment. Alors oui, je sais que certains d'entre vous vont attendre transit. Vous inquiétez pas, il va certainement arriver peut-être lors de la saison 4 ou pourquoi pas en milieu de saison. J'ai toujours pas fait une seule game et du coup je vais le découvrir en même temps que vous. Il faut savoir que le zombie a démarrer avec cette map. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et dites-moi dans la barre des commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette map. Ok, ça nous a fait atterrir, j'ai même pas de tutoriel. Directement, il faut zigouiller les zombies. Eh ben, c'est parti, on est chaud. Allez, d'entrée de jeu. Par contre, le cut, évidemment, c'est pas celui que j'ai d'habitude. Oh là, deux claques, ça nous a déjà mis dans le rouge. On peut voir la machine pack-a-punch ici. On va quand même économiser les balles. Ah ouais, d'accord, ça met directement dans le rouge. Parfait. Oh, même pas de tumeur toi? Merci. Vas-y, hop. Parfait. Donc la map, on peut voir qu'il y a déjà deux atouts d'un côté. La machine pack-a-punch que l'on voit, et on va découvrir tout ça, évidemment. Quelle arme il y a sur le mur? Ça, c'est la AKS-74U, donc ça m'intéresse moyen. Le J358, encore pire. Et on va découvrir ce qu'il y a en haut. Donc on voit la petite lumière, c'est que la caisse doit être par là. Le double coup. Alors, il y a quoi de beau ici? On va en profiter pour fermer, gratter des petits points. Le fusil à pompe qui ne nous intéresse pas. Ah franchement, je me rappelle plus du tout de la map. Mais c'est bien ça au final, je vais avoir l'impression de redécouvrir le jeu. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tous les égouiller, je vais en garder un pour faire le tour de la map et bien me rappeler de tout ce qu'il faut. Pourquoi pas essayer de drop le Raygun, ça serait cool. Ah, ça va, ça me coince ici. Une petite porte à ouvrir sur ma droite. On va aller voir ce que c'est. Plus beaucoup de balles de flingue déjà. Ok, parfait. Donc c'est le dernier zombie. On va en profiter pour ouvrir ça. Et on va dedans. Alors, du coup, ça nous mène à l'extérieur. Il y a quoi de beau ici? Donc, il y a encore une petite machine là. Là, il n'y a rien. Je pense qu'avec les barils, il y a moyen de faire quelque chose. Que ce soit détruire les zombies. Ou peut-être avoir un petit secret. Alors, quoi de beau? Rien d'autre par ici. Allez, le dernier zombie qui est là. On va voir l'atout que ça nous donne là-bas. Ok, donc c'est le... électrique en cerise, on va en profiter pour voir cette porte, donc du coup ça nous ramène là où on était au début. Du coup qu'est-ce que ça fait avec cette radio? Alors ça a activé quelque chose mais ça nous met rien en texte. Qu'est-ce qu'on a dedans? Pourquoi pas drop le Raygun d'entrée de jeu? Non, évidemment, toujours la malchance. On peut même pas ouvrir, bon du coup je vais être obligé de le buter pour faire un maximum de tour de la map. C'est parti. Donc, ouais, ça nous refait atterrir là où on était en double coup. A mon avis, ça va comme la précédente map. On va vite fait faire le tour. Et derrière, ce sera uniquement que du farming. Ah, cette porte-là qui peut pas s'ouvrir au final. Donc, faut faire attention à pas être coincé. What? Même pas ça le one-shot avec le snipe. Ça c'est parfait, j'ai la mort d'un coup. On va en profiter pour garder encore un petit zombie à la fin, pour faire le tour de la map, pour voir tout ce qu'il pourrait y avoir. C'est bien, on va la redécouvrir. Et derrière on sera tranquille pour bien la farmer par la suite pour la saison 3. Ah, j'ai plus la mort d'un coup. Oh. Bah, quand même, tu meurs.
Évidemment, je me tape le sniper. Alors, ici, à l'air libre, il n'y a rien. Il y a peut-être moyen de tirer sur quelque chose ou encore le baril là-bas, je me doute. Allez, le double coup qui nous coûte 2000. Il y a quoi debout ici? Ouais, il n'y a rien. Ouais, on a déjà fait le tour, mine de rien. Je sais pas s'il y a un ascenseur. On va essayer de garder la map comme ça et faire vraiment le tour. Bon, il est où le dernier zombie, là? J'arrive pas à le trouver. Le mec, il se cache. Il est sérieux. N'importe quoi. Mais il est où? Bon, je peux pas le buter. Bon, c'est pas grave. J'essaie vraiment de vous faire découvrir la map à fond. C'est peut-être une aubaine, en quelque sorte. Là, si j'ouvre cette porte, ça nous mène où? Ok, donc ça nous mène là où il y a la boîte mystérieuse où j'étais tout à l'heure. Nous revoilà à l'extérieur. Est-ce que le zombie est par là ou pas? Logiquement, il devrait être en face. Non. Bon, ben c'est mort. Du coup, on va en profiter pour détruire tout. Ah, ça m'a mis... Ah, regardez-le, où est-ce qu'il est? Il était bien en bug, c'est n'importe quoi. Allez, on va en profiter pour le tuer. Et du coup, on va pouvoir continuer les belles petites manches. Allez, je détruis les barils. Oula, tu vas voir que je vais me tuer tout seul. Par contre, ils ont remplacé la boutique qu'on avait sur la map d'avant avec la machine Pack-a-Punch. Donc au final, c'est déjà la machine en quelque sorte. J'aurais pas pu avoir le Raygun, que ça aille 20 fois plus vite et que je sois plus safe. Allez, on continue. On garde le dernier zombie, on va faire vite fait le tour. Mais à mon avis, j'ai déjà tout exploré. Alors, quelle arme il y a sur le mur? Il y a la MSMC à cet étage. Elle est où, la K-117? Elle doit être quelque part, je présume. Il y a la K-47 ici. On va voir ce que ça fait en détruisant tous les barils. Il y a moyen que ça fasse quelque chose. Ou pas. Du coup, on va en profiter pour aller à l'extérieur. Voilà. On peut bien ça. Soit c'est une protection, soit c'est quelque chose de caché. Il y a un zombie qui arrive. Donc, on va en profiter pour le buter. Et on va en profiter pour prendre la PDW sur le mur. Sans compter qu'on va prendre l'électrique. Et là, on va être bien. Il y a une porte qui est verrouillée en haut. Je vais voir si elle a été déverrouillée par le plus grand des hasards. Ah, d'accord. C'est les chiens. Ça va, ils sont pas résistants. Faut pas qu'ils nous saouler. Ouais, si, si. Évidemment, ils viennent pile où il faut pas. Ok, il me pousse à la queue le non, c'est rien. Oh là là, j'ai pas eu de chance. Bon, c'est pas grave. Ils vont certainement revenir par là. Je vais tous les accueillir, on a que 10. Et après, je vais voir à l'étage ce que ça donne. Ah d'accord, ok, ils arrivent tous par là. Allez, venez tous par là, à la queue le. Il y en a pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Et pour moi aussi d'ailleurs. Oula, oula, on se calme. Il n'y a pas beaucoup de balles dans ma PDW. Le dernier. Ok, c'est parfait. Et on va pouvoir chercher la dernière porte. La dernière porte qui est, je ne sais plus où déjà. J'ai du mal à m'orienter. Okay. Il me semble qu'elle était par là. Ouais, elle est là. Ah, d'accord, ok. Là, on peut le voir. Shoot the old drone. Ah, c'était les deux dernières. Ok, donc du coup, ça nous ouvre cette belle petite porte ici. Et ça nous refait tomber là, donc il faut faire attention. On y retourne. Alors, qu'est-ce qu'il y a debout? Là, il n'y a rien. Il y a la K-117 ici. Bon à savoir, très bonne arme. Derrière, ça nous donne la santé. Et du coup, on peut les avoir à faire le tour. Là, il y a une petite pièce, non. Je me donne où est-ce que sont les petites radios. La map est clairement plus petite que l'autre. Là, on a un petit nounours, donc forcément ça va faire quelque chose. Mais ça, c'est certainement en boss où ça devrait faire quelque chose. Je pense qu'en survie, ça sert à rien. Comme dans la précédente map, d'ailleurs. Là, on a un petit livre qu'on peut lire, blablabla, ouais. Ok, donc c'est bien pour ça. Donc on aura certainement des easter eggs à ce niveau-là. Donc d'entrée de jeu, pour avoir l'easter egg, il faudra détruire les barils, détruire les nounours. Et certainement une autre option à faire que l'on découvrira au fur et à mesure que la map sera sortie dans la version officielle. Alors je vais en profiter pour améliorer la K-117 après dans la Machine Pack-a-Punch. Alors je sais pas si c'est dans la version développeur ou si ce sera dans la version finale, mais il y a beaucoup de la mort en un coup quand même.
Ils veulent peut-être faciliter le fait que ce soit plus facile à farmer ou aller plus haut au niveau. Donc ça, c'est là où j'ai tiré au-dessus. Oui. Donc déjà, 5000. Juste là déjà. Ah ouais, d'accord. Il m'a tiré à attraper le zombie. Attends, il faut vite que je pense à la prendre. Voilà. 7740. Logiquement, je devrais avoir peut-être une amélioration de plus. 7000. 9000 encore, donc du coup je vais essayer d'économiser les 9000, pourquoi pas. Je sais pas combien il y a de niveau max pour la machine pack à punch, mais je pense qu'un 3, 4, voire 5 serait faisable. J'espère par contre que les boss seront différents, j'espère pas qu'on va avoir un Juboko uniquement avec les easter eggs. Ce serait un petit peu dommage étant donné qu'on a déjà eu dans l'autre map. Aïe, je suis mort. Mais c'est pas grave, on va vite utiliser le troisième jeton, là dans tous les cas. Oh, me faites pas apparaître là où il y a tout le monde, faites pas n'importe quoi. Ouh, je suis dans le rouge. C'est bon. Allez. On va vite fait détruire tout ça. Je vais essayer d'aller voir la machine pack à punch encore. J'ai assez d'oseille pour le voir. Il y a le niveau 3. Ok, il y a encore un quatrième niveau qui demande donc cette fois 11 000. Ça, ça va être la map ultime où ils vont enlever le temps. Parce que sérieusement, je vois pas comment tu peux économiser autant si tu es en squad en fait. Ah, mais non. Bon, c'est pas grave. J'ai plus de tokens. C'est dommage, c'est pas grave. Maintenant, je vais juste aller voir qu'est-ce que j'ai directement en skin s'ils en offrent des nouveaux. Ouais, la machine est la même. Donc, certainement, tes skins vont changer. Dépêchez-vous d'avoir le petit DMC. Au final, cette map, elle est plutôt pas mal. Ça va faire découvrir à ceux qui n'ont pas connu le Call of 5 de l'époque le mode zombie. Des petits secrets vont être là et me tarde d'avoir le petit raid pour découvrir le nouveau boss et surtout en easter egg. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Tchou!